Voilà une bande d'oiseleurs, voilà une bande de criminels, la criminalité évangélique en bande organisée, qui dépouille les gens, dépouillant les familles tout entières, détruisant la vie des gens. Ils ne prêchent pas la repentance, ils ne prêchent pas la délivrance du péché, la délivrance de la masturbation, de la pornographie, du sexe avant le mariage, des faux cheveux sur la tête qui viennent de l'Inde qu'on sacrifie aux idoles, des habits sexy. Ils ne prêchent pas la sanctification, le dépouillement. L'Église est transformée en un véritable bordel. D'ailleurs, suivez une petite scène d'une boîte de nuit, église boîte de nuit. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Église boîte de nuit, église, même les boîtes de nuit. J'étais dans le monde avant que Dieu me délivre. J'étais un grand pécheur. Je ne viens pas ici vous montrer que je suis meilleur. Je viens ici prêcher la délivrance du péché en vous donnant mon témoignage. J'étais pire, certainement pire que la plupart des personnes dans cette salle. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les choses qu'on voit dans les églises aujourd'hui, même moi, l'ancien mondain, je ne les voyais pas dans les boîtes de nuit. Suivez un culte pseudo-chrétien où les jeunes sont embarqués en enfer. Terrible, mes frères et sœurs. Oh là là, mes frères et sœurs, c'est terrible. Ils sont fous de qui? Ils sont fous de Dieu? Quel Dieu? Le Dieu mammon, le Dieu de la perversité, le Dieu de l'abomination. Ils sont fous de quel Dieu? Voilà, ils défilent pour déposer l'argent dans les paniers pour se faire gruger. Voilà des scènes de véritable grugerie évangélique. Ces jeunes qui sautillent, qui gambardent. Ils sont fous de qui? Quel Dieu? Le Dieu du sexe avant le mariage? Le dieu de la pornographie, de la masturbation, le dieu des boîtes de nuit, avec petit dé. Ils sont fous de regarder une femme comme celle-là. Vous avez l'impression qu'elle est la méduse, c'est une tête de méduse. Les faux cheveux sur la tête qui ressemblent à des serpents. Qui gambardent, regardez-les. Et je n'en veux pas ces jeunes. Ces jeunes pensent que c'est ça la voie en Christ. Gambarder, sautiller, les tambourinements de batterie. Danser, tourner les fesses. Voilà, ils pensent que c'est ça la voie en Christ. Dans la Bible, quand les personnes louaient, comme Paul et Silas, ils chantaient, ils louaient, il y avait des tremblements de terre. Aujourd'hui, c'est des tremblements de fesses, comme vous venez de voir, les femmes âgées qui tournent les fesses, qui n'ont plus de pudeur, parce qu'elles sont embobinées par des bandits comme cela, des homosexuels, en plus comme celui qui a été invité, Wafo, je reviendrai sur Wafo tout à l'heure, de véritables pédés, de véritables homosexuels, sodomite se faisant sodomiser, sodomisant d'autres personnes. Toi qui es dans cette église, si tu es honnête, tu avouerais que tu te fais sodomiser par ce pasteur, par ces pasteurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.